des ballons ici haut. Bonjour. Je suis Madame Mimi, la nouvelle concierge. Comment t'appelles-tu ? Bonjour Madame Mimi, je m'appelle Céline Catastrophe, j'ai 12 ans. Où habites-tu ? Ici, j'habite dans l'appartement 14. Qui est-ce ? C'est mon frère, il s'appelle Thomas, il a 11 ans. Et ça, qui est-ce ? Oh, ça, c'est mon père, il est inventeur. Une catastrophe. Oh ! Bonjour, Madame Mimi. Je suis Monsieur Catastrophe. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien. Bon, au travail. Chut. Top secret. Coucou ! Madame Mimi, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Enchantée. Je m'appelle Chantal. Et voici mon fils Thomas. Et voici ma fille Céline. À tout à l'heure. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept. Ma mère est chanteuse. Vraiment ? Ce sont tes ballons ? Non. Allez, viens Thomas, au travail. Au travail ? Oui. Moi, je suis présentatrice de télévision. Présentatrice de télévision ? Ouais, dans le salon. Viens, Thomas. Gérard, c'est ta mère. Le nouvel emploi, oh, ça va. Mais les familles, oh là là. Tous des fous. Dans l'appartement 14, il y a la famille Catastrophe. Non, vraiment ? Le père est inventeur. Il travaille dans la salle de bain et boum, une explosion. La mère, Madame Catastrophe, est chanteuse. Oui. Bon, il y a deux enfants. La fille a 12 ans et le garçon a 11 ans. Et il y a des ballons ici. Je sais, pas de fête. Excuse-moi, sois sage. Au revoir. Je suis Madame Mimi. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Jean-Luc Zinzin. Alors, Jean-Luc Zinzin, où habitez-vous ? Un instant. J'habite l'appartement 17 avec ma grand-mère. Et qu'est-ce que vous faites ? Je suis serveur. Au café des amis, en face. Et je vais acheter des gâteaux pour ma grand-mère. Des gâteaux pour une fête, oui. C'est l'anniversaire de votre grand-mère ? Non. Bonjour. Entrez, je m'appelle Madame Zinzin. Regardez mes photos. C'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon frère, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon petit cousin, ma nièce. Et puis c'est mon... J'ai oublié mon argent. Ah, Monsieur Zinzin, ce sont vos... Bizarre. Mais à qui sont ces ballons ? Bonjour. Madame Mimi ? Oui. Je suis médecin. Je m'appelle Docteur Blague. Oui. Je suis le frère de Madame Catastrophe. Oh ! Bon. Et maintenant, une petite blague ? Vous aimez les blagues ? Les blagues ? Ah oui, vous savez... Ah oui, j'aime les blagues. D'accord. Toc-toc. Toc-toc quoi ? Non. Je dis toc-toc et vous dites
Qui est là? Qui est là? Oui, qui est là? Qui est là? D'accord. Toc toc. Qui est là? Annie. Annie qui? Anniversaire. C'est bon, non? Oui, très bon. Docteur Blague. Oui. C'est votre anniversaire aujourd'hui? Mon anniversaire? Non. Coucou Cédric. Bonjour. Chantal. Comment ça va? Ma petite sœur. Je vais bien. Je suis content de te voir. Qui est-ce? Céline? Ma nièce? La présentatrice de télévision? Oh! Quel âge as-tu? Bonjour, oncle Cédric. J'ai 12 ans. Et maintenant, une petite blague. Une fête de famille. J'ai dit pas de fête. Et le chat dit... Wouah, wouah. Et maintenant, quelle heure est-il? 11 heures. Quel temps fait-il? Aujourd'hui, le soleil brille. Il fait chaud dans le nord, chaud dans le sud. Dans l'ouest, il fait chaud. Dans l'est, il fait chaud. Et dans le centre? Oui, ici. Dans le centre, il fait chaud. Gérard, c'est ta mère. Aujourd'hui, le soleil brille. Il fait chaud. Mais de la crème solaire. Ici, maintenant, il y a un oncle fou. Docteur Blague. C'est le frère de Madame Catastrophe. Il est médecin et il raconte des blagues. Et maintenant, une petite blague. Et Jean-Luc Zinzin, il habite l'appartement 17 avec sa grand-mère. Il est serveur, mais il oublie tout. Oh, excuse-moi, sois sage. Au revoir. J'ai oublié mon parapluie. Il pleut. Il pleut. Mais... Bonjour et bienvenue à Comment faire? Il s'appelle Thomas. Et je m'appelle Thomas. Aujourd'hui, un arbre généalogique pour le fabriquer des ciseaux. Les ciseaux. Merci. Un crayon. Du carton. Et des photos de ta famille. Et de la colle. Ah ! Thomas, sois sage. Tout d'abord, l'arbre. Plie le carton en deux. Dessine la moitié d'un arbre. Découpe. Et voilà un arbre. Et maintenant, la famille. Prends les photos de ta famille. Mets les photos sur l'arbre avec de la colle. La grand-mère au sommet. Et puis le père, la mère, l'oncle, la fille et le fils. Facile. Et voilà, un arbre généalogique. Thank you.
Jean-Luc, merci beaucoup pour les gâteaux. Hein? Mmh. Il est beau, mon petit-fils. Viens. Mmh. Vous voulez voir encore d'autres photos de ma famille? Bien. Alors, là, c'est mon fils. Ah, il est très beau. Là, c'est ma fille. Et là, ce sont les enfants de ma sœur. Quelle heure est-il? Oh, 6 heures. La fête. Mais il y a bien une fête. Quelle fête? Ouh! C'est top secret. Au revoir, madame Mimi. Oh non, mais attendez, attendez. J'ai dit pas de fête. Gérard, c'est ta mère. Il pleut. Prends ton parapluie. Il y a une dame, madame Zinzin. C'est une grand-mère. Elle est gentille. Mais ses photos, Et elle dit qu'il y a une fête. Quoi? Ah oui, les ballons ont disparu. Oh, et voici le docteur Blague. Et maintenant, une petite blague. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Jean-Luc, s'il te plaît. Voilà, voilà, j'arrive. Que voulez-vous boire? Les dames d'abord. 5 limonades, s'il vous plaît. 5 limonades. D'accord? D'accord. Madame Mimi est arrivée. Oui, une dame très gentille. Elle n'aime pas les fêtes. Oh, zut. Et voilà, les 7 chocolats chauds. Quel idiot. Ça va, ça va. J'adore le chocolat chaud. Moi aussi. Moi aussi. Pas moi. Elle arrive. Quelle journée! Quelle famille de fous! J'ai mal à la tête! Oh. Bienvenue, madame! Merci! Un grand bienvenue à la plus jolie dame de la Russie! C'est bien ici.